Alors, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur la tâche globale de l'enseignant. Je me présente, mon nom est Suzanne Mainville, je suis directrice de la coordination de la recherche et des analyses au Conseil supérieur de l'éducation. Je suis également membre du comité de concertation pour le transfert des connaissances en éducation, qui est un comité qui est appuyé par le CETREC. Alors, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à nos conférenciers et notre conférencière. Quelques consignes pour la webdiffusion, comme ce matin aussi, en début d'après-midi, on vous invite à parler au micro pour que les gens en webdiffusion nous entendent. Et pour les personnes en webdiffusion, vous pouvez poser des questions sur la section, pardon, clavardage qui est associée à l'activité. Et vos questions vont être transmises sur mon cellulaire et je vais pouvoir venir les poser à nos conférenciers. Un petit mot sur le déroulement. Donc, dans un instant, je vais vous présenter nos conférenciers, notre conférencière. Au total, les conférences vont durer en tout 45 minutes, donc 5 minutes, 20 minutes et 20 minutes. Et par la suite, nous aurons à peu près une dizaine de minutes pour les questions et les échanges avec nos conférenciers. Alors, la conférence porte sur la tâche globale de l'enseignant qui consiste à confier à un groupe d'élèves et à une équipe, c'est-à-dire confier un groupe d'élèves à une équipe d'enseignants qui se rendent collectivement et solidairement responsables de la totalité du programme de formation pour chacun des élèves. Chacun des élèves du groupe, c'est ça. Voilà. Alors, je vous présente Mme Nadia Rousseau, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est notamment titulaire de la chaire Normand Maurice et qui est chercheuse au Laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Elle s'intéresse à l'expérience scolaire des jeunes ayant des troubles d'apprentissage et à la pédagogie de l'inclusion scolaire, notamment. Elle est accompagnée par deux enseignants qui ont expérimenté la tâche globale dans leur milieu, M. Danny Roy, M. Pierre-Olivier Jeté. M. Danny Roy est enseignant en adaptation scolaire au CIFAR de Beauce depuis 17 ans. Il intervient auprès des jeunes de 15 à 18 ans afin de bien les préparer à la réalité du marché du travail. M. Pierre-Olivier Jeté est enseignant au secondaire depuis 14 ans. Il a fondé le programme Voix d'avenir au Collège Saint-Bernard, qui est à Drummondville, je pense. Est-ce que je me trompe? C'est ça, alors Drummondville. Aujourd'hui, M. Jeté est coordonnateur du programme Sport, Arts, Études au Collège Saint-Bernard et il fait partie du groupe des 100 qui a été formé par l'ancien ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx. Alors, merci d'être parmi nous et sans plus tarder, j'invite Mme Rousseau à prendre la parole. Je peux déjà vous dire qu'au lieu d'en prendre 5, j'en prends 6. Mon bidule ne marche pas. Ça va être ça. OK. Alors, un bref plan de présentation. D'abord, une petite mise en contexte, et c'est là où je suis, où j'entre en jeu. CFR de Beauce, présenté par Dany, cadre de Collège Saint-Bernard, par Pierre-Olivier. Donc, deux contextes d'utilisation de la tâche globale. Ce que dit la recherche, j'ai décidé de le faire sauter en termes de présentation formelle. Cela dit, ce qui est dans le PowerPoint, je l'ai imprimé ici. Les pages sont à l'avant. Alors, les gens qui veulent connaître ce que dit la recherche sur la tâche globale, pourront se procurer le petit sommaire avec les références à l'arrière. Donc, on n'en parlera pas pour sauver des minutes, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, pour vous parler de la tâche globale et bien mobiliser mon 6 minutes, je ne pouvais pas le faire sans vous parler de Normand Maurice. En fait, la tâche globale, ça s'est d'abord mis en œuvre dans les CFER, les Centres de formation en entreprise et récupération. Et Normand Maurice est un des instigateurs de l'approche, non seulement des CFER, mais également de l'approche de la tâche globale. Un personnage important dans l'histoire des CFER, important dans l'histoire de l'innovation pédagogique. Et j'avais le goût qu'il soit avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un petit extrait d'une allocution qu'il a fait il y a déjà plusieurs années, où il ne nous parle pas de tâche globale, mais où il nous transmet sa vision de l'éducation. Très heureux d'être parmi vous. Honoré aussi de pouvoir vous adresser la parole. La Chambre de commerce organise 2 soupers par année. En prendre un pour ces faire témoigne d'une considération peu commune et nous vous en savons gré, de même pour Forum sur l'énergie. Je suis prof de morale et ordurologue.
J'ai fait 4 ans d'université puis 20 ans de poubelle. Et j'ai appris qu'il n'y a que 2 productions sur la Terre. La photosynthèse, d'abord, qui produit toute notre nourriture, nos vêtements, nos abris, l'oxygène qu'on respire. Et le sens. Le sens qui est le fait de l'homme et qui donne à la vie toute sa qualité et son intensité. Et quand on altère le processus de la photosynthèse, on déséquilibre les écosystèmes. Et quand on manque de sens, on déséquilibre les systèmes humains. Il y a 7 à 10 % des étudiants inscrits dans nos commissions scolaires qui ne termineront leur cours primaire qu'avec une extrême difficulté, avec 2 ou 3 ans de retard et avec l'aide d'une promotion obligatoire. C'est dans toutes les commissions scolaires et c'est chaque année que le bon Dieu amène. Ce qu'on dit à ces jeunes-là comme société, pas de diplôme, pas d'avenir. Les emplois simples, les seuls qui te soient accessibles, c'est du cheap labor, c'est indigne de l'homme. Une chose est sûre, l'avenir appartient aux spécialistes. Une chose est sûre, on n'aura jamais besoin de toi. Du point de vue du devenir collectif, tu es une nullité totale. Oh, on ne dit pas de même. Non, on annonce à la télévision, 99,9% des emplois en Estrie exigent un secondaire 5. Il y a vraiment une différence. Ils ont 16 ans, sont enthousiastes, sont dynamiques, sont prêts à s'engager, ils veulent être utiles et reconnus, ils veulent donner un sens à leur vie. Est-ce que ça a du sens de les exclure sous prétexte qu'ils ont de la difficulté à abstraire? Et c'est le seul problème. C'est le seul problème. 1, 2 qui rencontre 1, 3 qui se multiplient sur le trottoir pour donner 6, ils ont jamais vu ça, ça passe droit. Mais 12 minutes d'explication avec la caravane de la récupération, pas de problème, c'est concret, vous l'avez vu après-midi. Moi, quand je cherche un crétin, il me plante devant un miroir, et bien, tout ce qu'il faut devant moi comme sujet d'étude. Alors, je vous pose la question, qui sommes-nous pour prétendre exclure des personnes de l'organisation sociale parce qu'elles n'ont pas les mêmes talents que nous? En 1988, la commission scolaire de Victoriaville a décidé que ces jeunes, rejetés par les bâtisseurs des sociétés modernes, y retrouveraient une place essentielle et reconnue comme telle. La commission scolaire de Victoriaville a décidé que cette pierre, rejetée par les bâtisseurs, redeviendrait pierre d'angle. Et c'est ça, c'est faire. C'est faire, c'est une fabrique de sens pour des jeunes trop peu considérés. Ce qu'on dit, nous autres, à C'est faire, c'est ceci. L'absence de diplôme, c'est un handicap social réel. Tu vas gagner moins. Puis non seulement tu vas gagner moins, mais tu vas être obligé de compenser par tes qualités personnelles les connaissances que tu n'as pas acquises. Tu vas être obligé d'être plus ponctuel, tu vas être obligé d'être plus autonome, tu vas être obligé d'être plus aimable, plus productif. Un ingénieur peut se permettre d'envoyer promener son patron 1 fois par semaine. Toi, si tu fais semblant d'avoir idée de commencer à y penser, tu perds ton emploi. C'est vrai tout ça. OK? On n'est pas ici pour te compter des mentries, c'est vrai ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va admettre une chose aussi, par exemple. L'absence de diplôme, ça diminue ton niveau de vie, mais ça ne change rien à ton degré d'humanité, ça. Puis d'un camp de concentration, là, le degré d'humanité manifesté, tu n'as pas toujours fonction du diplôme obtenu, ça va être là. L'absence de diplôme, ça ne t'empêche pas de prendre ta vie en main, ça ne t'empêche pas de réfléchir, ça ne t'empêche pas de t'engager, ça ne t'empêche pas d'aimer, puis ça ne t'empêche pas de faire ta vie. Puis même sans diplôme, on peut changer la société. Puis même sans diplôme, on peut avoir une influence sur les orientations sociales. Puis même sans diplôme, on peut influer sur l'économie. Puis d'ailleurs, on ne se contentera pas de le dire, on va le faire.
Fait que là, on a dit dans quoi on s'engage. Nous autres, on a choisi l'environnement. C'était le grand défi de l'heure. Fait qu'on a dit on s'embarque là-dedans. Donc, quand Normand est venu nous voir à la chaire de recherche pour nous dire Nadia, parce qu'il ne disait pas Nadia, il disait Nadia, et tu vas étudier à tâche globale, tu l'écoutais, puis tu allais étudier. Alors, les résultats, on pourra en discuter dans les questions. Je vous laisse avec mes collègues qui vont pouvoir vous présenter comment ça se vit. Et pour Normand, c'était à travers la tâche globale qu'on allait arriver justement à ramener des jeunes vers un sentiment d'utilité. Merci, Nadia. Moi, Normand, je l'ai accueilli une couple de fois dans ma classe. Comme Nadia dit, c'est quelqu'un d'imposant. Quand il parle, tu as d'affaires à l'écouter, là. Donc, première des choses, je me présente. Je m'appelle Danny Roy. Donc, je suis enseignant dans une école CEFAM. Vous allez le voir tout à l'heure. Quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je devais dire, par où je commençais, je me suis arrêté sur une définition. Donc, je vous la laisse lire. C'est une définition qui est, à mon sens, le critère premier pour être capable de travailler en tâche globale. Cette définition-là signifie l'esprit d'équipe, qui est très différent du travail d'équipe. Si on prend une équipe sportive, par exemple, donc il y a plusieurs joueurs dans une équipe qui vont travailler ensemble, mais est-ce que c'est tout le monde qui a l'esprit d'équipe? Ça, c'est une autre histoire. Donc, si vous avez, il y a beaucoup de gens de commission scolaire, de directeurs d'école qui sont ici, d'enseignants, si vous avez idée un jour de vous embarquer dans la tâche globale, vous devez être capable de cibler et de repérer des enseignants qui vont avoir l'esprit d'équipe. Donc, je commence par où exactement? C'était ce que je viens de vous mentionner. Donc, pour être capable de vous montrer que je suis un enseignant qui a de l'esprit d'équipe, ben, je me suis mis des petites photos. Papa de deux grands garçons, William, 11 ans, Thomas, 13 ans. Leur seul défaut, c'est qu'ils prennent pour les Canadiens. En couple depuis 25 ans, marié depuis 2003, vous avez remarqué que son seul défaut, c'est qu'elle prend pour les Canadiens. Donc, avec mon esprit d'équipe légendaire, donc j'ai pas eu le choix de faire des compromis, et moi aussi, quand je suis allé voir les Canadiens, d'enfiler un gilet des Canadiens. Très sportif moi-même, impliqué au niveau avec mes enfants, au niveau entraîneur de hockey. J'ai été aussi coach de baseball de compétition pendant 19 ans. J'ai fondé un festival de sport à Sainte-Marie qui ça fait 15 ans qu'il existe, donc qui réunit entre 6 et 8 000 sportifs pendant une fin de semaine. Donc, ça va avoir lieu au début du mois de juin. Donc, j'ai appris très vite où était mon profit dans la vie que avec mon esprit d'équipe, que j'allais être capable d'aller beaucoup plus loin qu'en travaillant seul. Diplômé de l'Université Laval, quand je vois le grand salon ici, ben, ça me rappelle des souvenirs. Donc, le grand salon, c'était un espace où il y avait un bar ici. Donc, ça, c'est une autre histoire. Je n'ai passé une couple de soirées ici. Là, je suis dans un autre contexte. Donc, diplômé en enseignement du français et de la géographie. 20e année d'enseignement, dont 17 en tâche globale au CFR de Beauce. Vous avez vu Normand Maurice tout à l'heure, je vous ai dit qu'il est venu dans ma classe une couple de fois. Donc, que sont les CFR? Les CFR ont été fondés au début des années 90 à Victoriaville par Normand Maurice, qui est le même, entre autres, qui a fondé la collecte sélective au Québec, donc les bacs bleus. Donc, c'est le même monsieur. Donc, il y en a 23 écoles comme ça au Québec, et les écoles CFR s'adressent à des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans pour qui l'école n'a pas toujours été facile. Donc, qui ont soit un retard académique d'au moins 2 ans, problématiques familiaux, problèmes de comportement ou un mélange de tout ça. Donc, il y en a 23 au Québec, des écoles comme ça, réparties un petit peu partout sur le territoire. Donc, c'est un projet qui est reconnu par le ministère de l'Éducation, donc qui donne un diplôme ministériel. Donc, des stages en entreprise, des placements en emploi, de la formation académique, de l'accès à certains DEP. Donc, une école CFR, c'est une école entreprise où 75% du temps, on est en classe. Donc, au secondaire, la période 1, 2, 3, 4. Donc, la période 1, 2 en classe. La troisième, on est dans nos usines. Parce que le E dans CFR, donc Centre de formation en entreprise et en récupération, donc le E,
Donc, signifie qu'on forme à l'intérieur de nos usines nos jeunes de 15 à 18 ans pour par la suite les référer sur le marché du travail. Et c'est l'essence même du départ de Normand Maurice. Donc, il trouvait que des jeunes de 15 ans qui se retrouvaient en stage ou sur le marché du travail, ça n'avait pas d'allure parce qu'ils allaient, entre guillemets, brûler des places de stage et les employeurs étaient insatisfaits. Donc, le CFR, c'est un centre, comme je viens de le dire, on est situé à Sainte-Marie. Donc, on a été fondé en l'an 2000. Une trentaine d'élèves répartis en trois groupes, trois enseignants, une éducatrice. Trois enseignants, une éducatrice pour 30 élèves, ça peut paraître difficile à justifier, que ce soit pour une commission scolaire ou une direction d'école, ou pour d'autres enseignants dans notre école qui nous regardent et qui disent, ben voyons donc, sont trois profs, une éducatrice, sont juste 30. Mais ce que souvent ces profs-là ne comprennent pas à l'intérieur de notre tâche, c'est qu'en plus de ma tâche d'enseignement, donc j'enseigne la majorité de ma journée, donc je dois m'occuper de d'autres choses, c'est ce qu'on appelle en termes de la tâche globale. Donc, on a deux entreprises, nous, chez nous, je vais vous les montrer en image tout à l'heure. On a une usine de bois et on a une serre, donc qu'on a développée cette année. Donc, en plus de ma tâche d'enseignement, ce que je dois faire, je vous nomme seulement des petits points comme ça pour que vous réalisiez que la tâche globale dans un CFR qui a été fondé par Normand Maurice, il y a une raison pourquoi on est trois, c'est parce que dans les CFR du Québec, un des critères d'accréditation pour garder le nom CFR, la bannière CFR, donc c'est trois enseignants minimum. Donc, il faut avoir un petit peu la fibre entrepreneuriale, hein, c'est des entreprises qu'on gère. Donc, il faut être capable, il faut que moi, je sois capable d'aller solliciter des contrats, faire des plans, faire des soumissions. L'an passé, j'ai acheté un camion. Donc, j'ai acheté un camion usagé, accidenté, que j'ai dû faire réparer dans les garages. Donc, les réparations de la machinerie, il faut que je sois capable aussi de gérer un site Internet, une page Facebook. Les CFR, c'est très politique, donc il faut que je sois capable d'avoir des très bonnes relations avec nos députés, que ce soit fédéraux ou provinciaux, les MRC, les maires autour. Donc, ça me prend de mon temps, ça, pour être capable de faire ça. J'ai aussi une supervision d'été à faire, ce que souvent d'autres enseignants, que ce soit dans notre école ou ailleurs, dans les autres écoles CFR. Donc, moi, l'été, je ne tombe pas en vacances le 25 juin. Donc, on est trois enseignants, on se sépare l'été à trois, donc j'ai à peu près trois semaines de supervision à faire où j'ai mon cellulaire parce que j'ai des employés, j'ai un contremaître que j'ai engagé pendant l'année scolaire et là, qui doivent livrer les contrats. On est une entreprise, donc les entreprises attendent leurs produits, donc je me dois d'être capable de produire quand même. Donc, ça, c'est sans compter les subventions qu'il faut que j'aille chercher à gauche et à droite. Donc, comme je vous ai dit, là, mon temps d'enseignement, là, en plus de ce que je dois enseigner, j'ai d'autres listes que je ne vous ai pas dit là, qui sont à côté, mais que souvent les gens de l'extérieur ne réalisent pas. Donc, la tâche globale, plus spécifiquement, c'est quoi? Donc, vous l'avez peut-être un petit peu perçu avec Normand Maurice tout à l'heure, c'est faire l'école autrement. C'est se doter d'une structure qui nous rend davantage libres. C'est avoir un esprit d'équipe pour travailler en équipe. Donc, c'est un petit peu le message que je vais vous dire un petit peu plus tard là, au niveau des commissions scolaires et des directions d'école. Donc, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps avec les enfants quand il y a de quoi qui ne marche pas. C'est prendre le temps avec les parents pour leur expliquer dans quoi leurs enfants sont en train de s'embarquer. C'est l'absence d'horaire. Ce que je veux dire par ça, par l'absence d'horaire, c'est moi, dans ma journée, dans ma semaine, je ne fonctionne pas en jour cycle. Je ne suis pas le jour 1 à la 2, je ne suis pas le jour 9 à la 3. Moi, je fonctionne du lundi au vendredi et dans ma semaine, j'ai des tâches d'enseignement. Je vous donne un exemple. Dans mon horaire à moi, dans l'horaire de l'équipe CFR, le mardi matin, je suis en classe tout l'avant-midi. Donc, si j'ai besoin de plus de temps, à la 3, moi, mes jeunes, ils rentrent en classe, même s'ils étaient supposés d'aller dans leur période d'usine, je termine ce que j'ai à faire. Donc, mes élèves ne switchent pas, excusez l'anglicisme, là, mais ils n'interchangent pas entre un cours de français, un cours de maths, un cours de géo. Quand je commence quelque chose en français, je le mène jusqu'au bout. Quand je commence quelque chose en géo, je le mène jusqu'au bout. Donc, de sorte que les jeunes, leur rétention d'informations est améliorée. La tâche globale, c'est quoi? C'est être « on ».
toute la journée. Donc, quand je vous disais de bien choisir vos gens tout à l'heure qui ont un esprit d'équipe, c'est pas tous les enseignants qui sont prêts à rentrer à 8h30 et à quitter à 4h sans trop savoir quand est-ce qu'ils vont avoir du temps libre dans leur journée. C'est collaborer, c'est s'entraider. Les critères pour assurer le succès de l'enseignement en tâche globale, c'est à mon avis là, ma petite vignette la plus importante. Si vous avez quelque chose à retenir de mon passage ici en tant qu'enseignant de 17 ans en tâche globale, c'est la suivante. C'est le message que je veux vous passer aux gens des commissions scolaires, aux profs qui pensent peut-être dire « j'aimerais être en tâche globale » ou partir quelque chose, aux directions d'école. Ce que vous devez arriver à faire, en plus de sélectionner des gens qui ont un esprit d'équipe, c'est qu'il faut avoir des gens qui sont volontaires là-dedans. Si vous commencez à embarquer du monde qui prennent des résiduels de tâches, qui vont prendre la dernière petite affaire pour compléter leur tâche au mois d'août ou au mois de juin, c'est bien de valeur, mais ça ne marchera pas. Il ne faut pas compter ses heures quand on est en tâche globale. Donc, il faut être capable de déborder un petit peu de notre tâche. Je vous disais, j'arrive à 8h30, je pars à 4h. Je vous ai marqué le projet SER. Cette année, on a reçu de Desjardins 257 000 $ pour développer des SER à notre école. Donc, ça prend du temps à organiser ça. Donc, le temps, je le prends quand? Je le prends le soir, je le prends après l'école, je le prends la fin de semaine. J'ai pris une journée dans ma semaine de relâche que je suis venu à l'école. Donc, ça prend du temps, la tâche globale. Tant qu'à faire quelque chose, le message qu'on essaie de véhiculer aux jeunes qui nous sont confiés, c'est ça. Tant qu'à faire quelque chose, on essaie de le faire comme il faut. Donc, il faut être facile à travailler, être capable de faire des compromis, de se parler. Facile à travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous les connaissez, vos tenants à l'école, vos profs qui tirent du jus. Il ne faut pas les embarquer là-dedans. Vous allez tout gâcher. Donc, il faut être capable de cibler des bonnes personnes. Il faut avoir confiance en ses moyens. Confiance en ses moyens parce qu'on est observé, hein? On est observé par nos collègues. La tâche globale, c'est j'enseigne puis j'ai des collègues avec moi. Donc, vous allez voir, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, tout à l'heure. Donc, il faut avoir confiance en nos interventions parce qu'on intervient toujours avec d'autres adultes qui sont avec nous. Il faut avoir confiance en ce qu'on enseigne parce qu'on est observé, d'un, par les élèves, mais par des adultes aussi qui sont dans la classe. Il faut être ouvert au changement. Tout à l'heure, j'étais dans la conférence avec M. Carcenti, qui a travaillé avec les écoles CFR. Donc, il faut être ouvert au changement. Il y a 3 ans, le Réseau québécois des écoles CFR, par le biais d'une fondation, a débloqué 500 000 pour équiper ces écoles de iPad. Donc, moi, j'étais zéro technologie. Donc, sur le coup, j'ai eu peur. Mais c'est ça, la tâche globale. C'est quand tu as peur, ben on est plusieurs ensemble. On est une gang ensemble, puis on peut se rabattre les uns sur les autres pour être capable de vaincre ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'enseigne dans mon iPad, à l'école avec mon iPad, et mon iPad est complètement virtuel. Quand j'enseigne, moi, mes jeunes, leur cahier de français est dans le iPad avec une application qui s'appelle OneNote. Je suis capable d'écrire sur mon iPad individuellement à chaque élève pour dire à un tipit, « Hey, là, tu ne me suis plus. » Donc, il reçoit ça sur son écran. Donc, en tâche globale, donc, il faut être ouvert au changement. Donc, avec le projet iPad, entre autres. Les autres, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, mélange homme-femme. Donc, chez nous, on est 3 enseignants masculins. Donc, et une éducatrice. À mon avis, c'est important d'avoir un mélange homme-femme quand on est en tâche globale, parce qu'on fait affaire avec des jeunes hommes et avec des jeunes filles. Donc, certains se sentent plus à l'aise avec des hommes, d'autres avec des femmes. Donc, je l'ai écrit là, mélange d'âge. Donc, mélange d'âge encore une fois. Donc, il y a un enseignant qui a pris sa retraite il y a 3 ans. Et nous, on a un très, très bon support de notre commission scolaire et de notre direction d'école. Ils comprennent très bien c'est quoi une tâche globale et qu'on ne peut pas changer l'équipe à chaque année. On était 3 enseignants, que ça faisait 15 ans qu'on travaillait ensemble. Il a pris sa retraite et il y a un enseignant qui est arrivé. Donc, c'est un enseignant qui a été sélectionné. Ça ne s'est pas fait par ancienneté ou le premier, le plus vieux, ou lui que ça y tentait. Il y a eu un concours. Et à 28 ans, il est arrivé dans une école CFR. Aujourd'hui, il y a 30. Donc, pourquoi j'ai écrit 30 pour une interrogation 50? Bien, moi, j'ai à peu près dans le milieu, là.
Donc, c'est pour assurer la continuité, le succès de quand quelqu'un va prendre sa retraite, que le projet ne repose pas uniquement sur un ou des individus, que quand ils quittent, ça s'arrête là, c'est terminé. Et je remercie la commission scolaire Beauce-et-Chemin de nous avoir impliqués dans le processus lorsque le dernier enseignant a pris sa retraite. On a eu à donner nos critères, on a eu à donner notre mot à dire pour les gens qui sont arrivés et à définir des critères d'embauche. Le dernier, c'est le plus important, j'en ai parlé un petit peu, c'est la volonté de la commission scolaire d'assurer une stabilité dans une équipe quand on décide d'aller en tâche globale. Je viens de vous le dire, là, les profs, on ne peut pas changer à chaque année. Imaginez si deux profs sur trois l'an prochain se retrouvent à « moi je quitte » et un autre enseignant, parce qu'il y en a un qui était plus vieux que moi qui a décidé de venir me « bumper », entre guillemets. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, en tâche globale, c'est très important, si vous êtes un directeur de commission scolaire ou un directeur d'école, de faire comprendre à votre monde qu'en tâche globale, c'est impossible d'essayer de jouer avec les plus vieux, il y a une retraite, il y a ci, il y a ça qui arrive, OK, ça change, il y en a deux qui partent, il y en a deux qui arrivent. C'est aller dans le mur, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut déjà qu'il y ait une volonté d'instaurer, avant de débuter, de pouvoir conserver ces choses-là. Donc, ça prend une gestion des ressources humaines, mais ça prend aussi, si vous m'avez bien suivi, une gestion du processus en arrière de ça. Nous, on a des ententes avec notre commission scolaire. Donc, quand un enseignant quitte, il y a une façon qui est déjà faite, qui est attachée avec les ressources humaines. Le syndicat aussi a été mêlé à ça quand ça a été le temps. Donc, il y a une démarche en arrière de ça que vous devez établir. Si vous avez quelque chose à retenir là, de ce que je vous dis, là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, une gestion du personnel doit obligatoirement passer par un processus en arrière de ça qui vient statuer qui peut aller en tâche globale et comment ça se passe. En tâche globale, j'appelle ça la théorie du buffet. La théorie du buffet, c'est quoi? On peut le voir de deux façons. C'est qu'il faut, vous savez, dans un buffet, des fois, on en voit toujours là, qui arrivent, puis qui se prennent une assiette, puis l'assiette est comble, ils ont de la misère à tenir le napkin, le couteau, la fourchette. En tâche globale, il faut éviter d'avoir des enseignants comme ça. Parce qu'ils vont vouloir s'accaparer tout. D'un, ils vont tomber brûlés, ça ne sera pas long. Puis de deux, ça va venir briser la dynamique de l'équipe. L'autre façon de le voir, c'est que la tâche globale, ça peut être un avantage de le voir avec la théorie du buffet, c'est qu'on a accès à un éventail d'intervenants. Donc, moi, mes collègues de travail, j'ai appris beaucoup d'eux. Donc, j'ai appris sur leur façon d'interagir avec les jeunes, sur leur façon d'enseigner. Donc, on est en formation continue. Puis, on est là un peu pour se coacher un et l'autre. Donc, ça, ça a bien été, ça, ça a moins bien été. Ah, tu pensais que tu aurais pu faire ça? Donc, on est une équipe. Moi, mes collègues, c'est mes amis. Je dis souvent aux élèves que mes collègues, moi, je me fais des soupers avec eux autres la fin de semaine. Donc, quand vous pensez tâche globale, il faut être capable de penser à ça. Je vois presque mes collègues plus que ma femme. Donc, on est là de 8h30 à 4h, fait qu'on a comme intérêt à bien s'entendre ensemble. La répartition équitable des tâches, hein, s'il y en a un qui prend tout, les autres, on ne se sent pas impliqués. Donc, on a un petit nouveau avec nous autres, Alexandre. Donc, il est là depuis 3 ans. Donc, il a fallu lui donner de la corde. Ça faisait 15 ans qu'on était là. Il a fallu lui donner de la place. Il fallait qu'il prenne sa place. Mais aujourd'hui, on peut dire après 3 ans que la tarte est divisée en 3. Donc, il a pris ses dossiers. On a chacun nos dossiers. Puis, on navigue comme ça. Les avantages de la tâche globale, il y en a plusieurs. Donc, développement de la relation avec l'élève et les parents. Moi, je peux dire que les élèves ne me perçoivent pas comme leur prof. Je vis avec eux autres de 8h30 à 4h, donc rapidement, là, je les ai pendant 3 ans, à 15, 16, 17 ans, et je prépare leur sortie de l'école. Fait que ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves, c'est qu'on a avantage à bien s'entendre ensemble, parce que moi, je vais avoir besoin de toi, puis toi aussi, tu vas avoir besoin de moi. Donc, on est ensemble, on sort d'en face toute la journée, là. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'arrive pas des petits accrochages, mais le développement de la relation avec l'élève et les parents, on a le temps aussi de faire ça avec les parents. Le meilleur encadrement en tâche globale, les absences, la gestion de classe. Les absences sont gérées, nous, à 9h03, les absences sont déjà gérées, ça commence à 9h. À 9h15, le téléphone aux parents est fait. Donc, les enfants comprennent très bien qu'ils n'ont pas avantage à ne pas être absent de l'école. Donc, gestion de classe, donc les problèmes se règlent en équipe.
Augmentation marquée de la motivation scolaire, vous avez pu lire là en même temps que moi. Et le dernier, très important aussi, la répartition de la pression. Donc, la pression est répartie sur quatre au lieu d'être tout seul dans ta classe. Nos entreprises, on en a deux. Donc, on a une entreprise de bois, on récupère des palettes de bois qu'on transforme par la suite. Ce que je vous montre là, c'est une période par jour. Donc, les jeunes sont coachés comme s'ils étaient des travailleurs. Donc, une tonne de bois récupérée par semaine. On a une serre aussi qu'on est en train de développer avec une serre extérieure. En tâche globale, ça nous permet de libérer des gens qui vont faire des sauces à spaghetti pour un dîner avec les élèves. Donc, ou donner des conférences dans les écoles primaires. Donc, nos exposés oraux se font dans les écoles primaires. Et on a reçu Guy Cormier cette année à l'école, le président-directeur général de Desjardins. Au-dessus de la porte, quand on rentre à l'école, c'est ici, nous formons des champions, on fait partie de l'équipe. Donc, moi, ce que je fais encore, le terme équipe, je forme des champions dans la vie, moi. Je forme des jeunes qui vont être capables d'être autonomes, qui vont faire de l'effort, ils vont être engagés, ils vont avoir de la rigueur et du respect. Les Olympiades réussite jeunesse, c'est une très belle compétition provinciale entre les 23 CFR du Québec. Donc, ça permet de réaliser des grandes choses quand on est en tâche globale. Donc, vous voyez champion, champion, champion. Donc, c'est la 13e année cette année. C'est à l'Université Bishop de Lennoxville que ça se passe. Et notre CFR, le CFR de Beauce, on est champion de la province de Québec 8 fois en 12 ans. Donc, la stabilité d'une équipe permet de faire ça aussi également. Les voyages culturels, donc on voyage avec les jeunes. Donc, l'an passé, on a fait 4 villes en 5 jours. À chaque année, on fait des voyages. Cette année, on s'en va à New York. L'an passé, c'était Washington, Lancaster, Hershey, Atlantic City. On est allé dormir sur le bord de la plage. Donc, ça prend du temps à un prof dans sa journée qui est libéré pendant que les autres prennent en charge des projets comme ça. Je veux terminer en disant cette petite phrase-là que je trouvais belle, qui résume bien l'essence même de la tâche globale. Donc, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et s'il y en a qui ont le goût de nous suivre, j'ai des beaux vidéos sur notre site Internet. On a une page Facebook et on fait partie du réseau québécois des écoles CFR. Donc, on est très facile à trouver. Sur Google, vous tapez CFR de Beauce. Merci beaucoup. Merci, Danny. Premièrement, avant même de me présenter, je veux tout simplement dire que je n'ai aucunement la prétention de mentionner que les deux modèles qui sont présents au Collège Saint-Bernard sont vraiment typiquement liés à l'esprit du réseau CFR. J'ai eu la chance, il y a 14 ans, quand j'ai gradué, j'ai commencé mon premier contrat, était au CFR d'Acton Vale. C'est vraiment à partir de là que je me suis inspiré. Même tout récemment, là, j'ai contacté Nadia qui m'avait gentiment demandé de venir vous adresser à vous. Puis j'ai dit, ben, es-tu sûr que je veux que j'aille leur parler? Il me semble que ce n'est pas exactement une tâche globale. Bref, souvent, comme enseignant, on a le syndrome d'imposteur. Fait que, bref, voilà. Donc, félicitations, Dani, pour ton travail. Collège Saint-Bernard, premièrement, je me présente. Pierre-Olivier Jeté, 14 ans, formé en univers social à l'Université de Sherbrooke. J'ai parcouru un peu là, différentes écoles, donc l'école publique. M'amener au privé il y a quelques années. Puis, si on recule à peu près une dizaine d'années, Collège Saint-Bernard avait grossi énormément et avait l'intention de se diriger par plus avec des élèves en difficulté d'apprentissage, donc pas nécessairement une clientèle ou une expertise qu'il avait développée. Donc, juste présenter le Collège Saint-Bernard, c'est quoi? Donc, primaire, secondaire. Vraiment une école privée de région, donc une réalité très différente là, de ce qu'on peut voir à Montréal ou dans les grands centres. Donc, vraiment beaucoup d'élèves en difficulté d'apprentissage, plusieurs pensionnaires, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve au collège. Donc, si j'y vais avec ma présentation, je vais vous présenter nos deux modèles qu'on a au collège. Donc, le programme Voie d'avenir, notre PVA là, dans notre jargon, et le programme Sport-études, que je suis coordonnateur de ce programme-là depuis 2 ans. Je veux prendre quand même plusieurs minutes à la fin, prendre le temps, un peu comme Dani le fait, de présenter vraiment les avantages que je vois de la tâche globale, les conditions gagnantes également de notre côté, et également les petites différences que je vois avec les deux modèles qu'on a développés depuis quelques années. Donc, premièrement, mon bébé, quand j'étais arrivé au collège, c'est vraiment un programme que j'ai développé petit à petit. Donc, aujourd'hui, pour l'année 2018-2019, programme Voie d'avenir, c'est quoi? C'est 5 enseignantes, une psychoéducatrice, donc 72 élèves répartis de secondaire 1 à secondaire 5,
et les critères d'admissibilité pour rentrer dans le programme Voie d'avenir, c'est bien entendu d'avoir soit un diagnostic et d'être bien entendu en difficulté d'apprentissage. Si je vais avec une petite historique, donc c'est un programme qui a quand même plusieurs années là, en arrière de la cravate. Donc au départ, je m'amuse à dire quand j'étais arrivé au collège, bien, on avait 12 élèves puis j'étais dans un garde-robe. Fait que dans le fond, j'étais comme la bébite bizarre de l'école. Beaucoup, malheureusement, quand on innove en éducation, surtout dans un milieu quand même assez traditionnel, ben les collègues, les gens se questionnaient là, pourquoi que là, tout d'un coup, ben, on a des élèves en difficulté d'apprentissage, comment ça fonctionne. Donc, petit à petit, le programme s'est développé avec l'idée de grandir, mais ce n'était pas clair exactement la direction qu'on était pour lui donner. Donc, graduellement, on a avancé d'année en année. Donc, on a eu la chance, ben, j'ai eu la chance de concevoir mon équipe. Tantôt, Dany parlait de l'importance du travail d'équipe. Donc, plus que le nombre d'élèves a augmenté au fil des années, bien, plus que des enseignants qui se sont joints à moi à Tâche Globale, donc à temps plein avec cette clientèle-là. Il y a à peu près 5 ans, moi, je crois que dans la vie, c'est souvent par les contraintes qu'on ça nous permet d'innover. L'être humain est fait comme ça. C'est quand on arrive devant une difficulté qu'on a la chance puis on n'a pas le choix de trouver des alternatives. Donc, il y a 5-6 ans, on est arrivé avec le beau problème suivant, c'est qu'on avait des élèves qu'on ne croyait pas être en mesure de réussir leur parcours secondaire. Il faut bien comprendre qu'on a des élèves, dans le programme dernier, que oui, sont en difficulté d'apprentissage. Par contre, ce n'est pas la vision qu'on peut avoir, par exemple, du réseau public, c'est-à-dire du modulaire qu'on va diriger vers les adultes. C'est vraiment des élèves que, tout à coup, en travaillant différemment, on s'est rendu compte qu'ils étaient en mesure de réussir. Donc, tranquillement, les élèves qui étaient en secondaire 1 sont rendus en secondaire 2, sont rendus en secondaire 3, et oui, sont rendus en secondaire 4, en ayant les mêmes exigences que les élèves dans un programme régulier, c'est-à-dire d'obtenir leur diplomation avec les examens du ministère. Sauf qu'on a voulu vraiment adapter avec le rythme de l'élève. Donc, encore une fois, peut-être comme dans plusieurs écoles publiques au Québec, on s'est arrivé avec la belle problématique, on avait des élèves qui chevauchaient sur différents niveaux selon leur matière. Donc, des élèves qui étaient, exemple, rendus en secondaire 4 en mathématiques, mais en français de secondaire 3. Donc, ça venait compliqué de venir gérer les horaires. Et à ce moment-là, on était rendu déjà une équipe de 5 enseignants. L'autre aspect, c'est qu'on avait voulu, on voulait également permettre à nos élèves, malgré qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage, de pouvoir intégrer nos équipes sportives puis d'intégrer en partie le programme sport, arts, études. Vous pouvez imaginer que la gymnastique de faire une horaire qui était à chaque semaine, parce que l'enseignant ne recevait pas et l'élève ne recevait pas non plus au début de l'année, bien, le jour 2, comme les autres élèves dans l'école, bien, le jour 2, ma journée, c'est maths, français, anglais. Donc, c'est vraiment une gymnastique de faire l'horaire à chaque semaine. Ça me prenait à peu près 2h30. Donc, il fallait trouver une solution que je sois moins dans l'organisation et beaucoup plus proactif. Donc, on était s'inspirer. Moi, ce que je dis souvent, c'est peut-être ça me vient du réseau CFR, je suis le meilleur récupérateur d'idées pédagogiques au Québec. Je n'ai pas nécessairement toujours des idées par moi-même, mais je trouve des idées un peu à gauche, à droite. Donc, j'ai été fouillé qu'est-ce qui se faisait ailleurs, beaucoup dans les écoles alternatives. Donc, rapidement, le fonctionnement, c'est que l'élève, à chaque semaine, doit composer son horaire, doit faire son horaire. Donc, avec l'aide de son tuteur, son coach scolaire qu'on appelle, vient déterminer le nombre de périodes qu'il doit se placer en maths, en français, en anglais, et doit faire son horaire. J'ai un point que j'ai oublié de mentionner, bien entendu, l'immense chance qu'on a au Collège Chabonard, c'est que chaque élève, bien entendu, dispose de son portable avec le réseau informatique, ce qui permet vraiment d'être dans une pédagogie beaucoup plus active. L'enseignant également bien, reçoit son horaire, si on veut, à chaque semaine. Donc, moins en tâche globale, donc on ne fait pas nécessairement du 8,5 à 4, mais une tâche qui est beaucoup plus lourde, par exemple, que les autres enseignants qui sont au collège. Donc, pour un mois d'avenir, vraiment, la tâche, si on fait un calcul rapide, à peu près 18 périodes, nous, on a 5 périodes par jour, à peu près 18 périodes par semaine pour l'enseignant. Donc, l'enseignant doit un peu, dans l'équipe, établir, bon, ben, qui est là à tel moment et à tel moment. L'élève, par la suite, il doit, quand même, un petit peu simple comme système, mais qui fonctionne quand même assez efficace, l'élève doit venir s'inscrire. Donc, une limite, on est quand même des élèves en difficulté d'apprentissage, maximum 18 élèves par classe. L'élève vient s'inscrire selon les disponibilités et les places restantes au niveau de l'équipe pour venir établir ou travailler son plan de travail avec ses enseignants. En gros, si on regarde l'image qui est derrière moi, que j'ai eu la chance de voir en avant, c'est très pratique, c'est bien entendu des groupes qui sont multi-âge, multiniveau, l'élève est en action, donc beaucoup moins de magistral, l'élève va vraiment plus à son rythme, il y a des périodes dans la semaine que les enseignants mentionnent, oh, exemple, j'aimerais savoir mes maths de secondaire 1, il y a tel élément, je veux faire du modelage avec eux, donc on prend le temps, mais il y a beaucoup un beau travail d'équipe qui se fait. Bien entendu, c'est un modèle qui est établi depuis 10 ans,
Moi, j'ai quitté là, il y a 2 ans pour les raisons que vous allez comprendre dans quelques instants. Mais sinon, il y a vraiment un beau travail d'équipe et une belle stabilité dans l'équipe. Il y a vraiment beaucoup d'avantages autour des élèves pour les aider à cheminer. Lorsqu'il y a quelques années, quand j'allais dans différents colloques des ateliers pour présenter le modèle Voie d'avenir, à ce moment-là, j'étais plus jeune aussi, fait que j'avais comme une fausse humilité en disant, ben, tu sais, essayez pas de prendre un modèle puis de le recopier, il ne sera pas pareil, etc. Mais en toute humilité, je me disais, ouais, mais moi, si j'y allais, je serais capable de le reproduire exactement pareil. C'est pas vrai, ça marche pas. Oubliez ça, puis je vais vous expliquer clairement pourquoi. Programme sport, art, études, c'est quoi? Je suis coordonnateur de ce programme-là depuis 2 ans. Cette année précisément, ben, c'est 6 enseignants à temps plein, 3 enseignants à temps partiel, 3 spécialistes, 221 élèves de secondaire 1 à secondaire 4. Le seul critère, c'est des élèves qui sont en sport, art, études. Pas nécessairement une sélection avec les notes. Les notes, on n'est vraiment pas là. On fait ce qu'on appelle des tests de classement, voir est-ce qu'on croit qu'il est en mesure de réussir. Mais juste pour vous dire, on a à peu près sur nos 221 élèves, ben, à peu près le tiers quand même là, qui ont un plan d'intervention. Donc, l'historique, encore une fois, nos fameuses contraintes, vous voyez les aménagements, l'école, il y a 2 ans, en toute humilité, en toute franchise, restructuration, côté financier, budgétaire, quand même un petit peu difficile. On doit trouver des solutions. On a des groupes de sport que c'est invivable, donc je parle plus à les administrations scolaires ou aux patrons de commission scolaire qui vont bien comprendre. On doit essayer de trouver un moyen d'ouvrir des groupes qui soient rentables. On peut ouvrir des groupes non plus à 15 élèves. Difficulté également à, encore une fois, des contraintes, à trouver une solution. On a des sports le matin, l'après-midi, mais ça ne se divise pas équitablement. Donc, exemple, si j'ai 40 élèves en secondaire 1, ben, tu ne sais pas ça, mais de toute façon, exemple, 60 élèves, ben, je n'ai pas 30 le matin, 30 l'après-midi, donc c'est difficile à venir gérer. Donc, il faut trouver une façon. Donc, à partir de là, la direction vient nous voir d'un côté, Voie d'avenir, croit beaucoup au modèle, et je décide, bon, ben, je lâche mon bébé à contre-cœur, puis j'essaie de venir présenter le concept de tâche globale avec le sport. Donc, l'an dernier, 5 enseignants décident, dont moi, on parle le bal. À la différence de Voie d'avenir, ben, c'était, excusez le terme, un peu casse-cou, c'était, ben, parfait, on se lance. Ben, de secondaire 1 à secondaire 3, 4 enseignants qui n'ont jamais travaillé de cette façon-là, puis c'est parti. Quand on travaille avec des élèves en dessous d'apprentissage que le modèle traditionnel n'a pas fonctionné, bien, on a quand même une belle ouverture d'esprit du côté des parents des jeunes parce qu'ils nous le mentionnent, disent « Garde, ça ne marche pas, il faut que je trouve une solution. » Lorsqu'on arrive avec une clientèle qui ont des excellents résultats, qui réussissent bien dans un modèle plus traditionnel, d'amener le changement qui n'est pas nécessaire, on le sait dans nos vies, quand ça va bien, bien pourquoi changer, bien, c'est quand même assez difficile. Fait que de travailler ensemble l'an dernier, c'était quand même très difficile à faire, à construire. Fait que si vous pouvez déjà vous donner un conseil, si vous voulez vous lancer dans une tâche globale, bien, d'y aller graduellement au lieu de partir vraiment avec une masse quand même importante, ça peut être quand même une bonne idée. Donc, rapidement dans le fonctionnement, pas mal une copie là, concernant Voie d'avenir. Donc, même horaire, l'élève choisit son horaire. Vous voyez, c'est écrit multi. Dans ce cas-là, c'est un horaire exemple d'un élève qui est en sport-études multisport. Donc, il y a des périodes. Donc, ça se ressemble énormément. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de temps de classe. Et comme vous voyez également, j'attire votre attention, le vendredi après-midi, les 2 dernières périodes, on y était un peu en sens inverse. Donc, au lieu de venir couper des heures de sport à nos élèves, bien, si l'élève remplit leur mandat de bien travailler, etc., ils ont la chance d'avoir un gain de sport, donc de se mériter une 4e journée. Les élèves, quoi, si c'est plus difficile d'ordre comportemental et ou résultat académique, quoi que ce soit, là, on prend du temps le vendredi après-midi pour donner de l'aide. Même système également, système d'inscription qui est un petit peu plus complexe. Au lieu d'avoir 72 élèves, là, 221, c'est complexe, mais on y arrive là, à vraiment organiser l'horaire là, de tout le monde. Physiquement, ça ressemble à quoi? J'attire surtout votre attention, la porte noire au fond, à votre gauche, une porte coulissante qui nous permet vraiment de communiquer entre nos locaux. Puis surtout, ce qui s'est venu, on dirait que ça m'a frappé aux yeux quand j'ai vu l'image par la suite, mais les fenêtres permettent beaucoup de choses. Permettent d'une part, on sait en enseignement, bien souvent on ferme notre porte, bien ça se passe dans notre classe, puis c'est un acte qui est très, très personnel, puis on vient s'isoler. Mais là, ça demande l'humilité que là, bien tout le monde nous voit. On ne le voit pas, mais plus ici, là, vers la droite de l'image, bien, c'est notre bureau d'enseignant qui est là. Donc, on a une vue toujours, on est toujours prêt dans l'action à venir donner un coup de main à nos collègues. Fait que ça nous demande d'avoir l'humilité d'enseigner, mais des fois, on a peur du jugement d'enseignement. Fait que là, on fait attention, mais ça nous permet vraiment là, de faire un beau travail d'équipe. Les avantages, juste me permettre, je vais prendre une petite gorgée.
Les avantages, le premier, selon moi, je suis Denis, va faire un lien rapidement également, c'est si on a la chance de suivre nos élèves de secondaire 1 à secondaire 1 à secondaire 5 sur 5 ans, fait que cette image-là, ben, Henri a grandi, moi j'ai grossi, fait que ça dépend dans les deux cas, mais le lien qu'on tisse, ben, c'est à la vie et à la mort. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Le lien également qu'on tisse avec les parents, c'est formidable ce que ça peut donner, puis je ne vous apprends rien en disant qu'en éducation, le lien est quand même assez fondamental. Au niveau de la persévérance, puis à chaque fois que je vois cette image-là, je deviens émotif parce que c'est mes gars. Tu sais, c'est mes enfants d'école. C'est mes enfants d'école que j'ai vu grandir. C'est mes enfants d'école que j'ai vu vivre des grandes difficultés. Qu'il y a des jeunes que quelque part, quelqu'un lui avait dit ou leur a fait comprendre une façon de tourner, qui ne seraient pas capables de réussir. Puis on sait nos gars, au Québec, c'est important qu'ils persévèrent pour qu'ils puissent réussir. Mais la persévérance, qu'il y en a encore plus de besoin, selon moi, ben, toutes les âges, bien entendu, mais quand ils arrivent en secondaire 3, 4 et 5, ben, ils ont besoin d'un papa, ils ont besoin d'une maman qui croit en eux, que oui, souvent, comme Dany disait, des fois, ça accroche, ça brasse, je pourrais vous conter une histoire avec chacun de ces jeunes hommes-là, mais au final, on est significatif, on est important pour eux, ils savent qu'on les aime, qu'on est là derrière eux, puis je pense que ça fait toute la différence. Fait que ça, c'est mes petits gars de voie d'avenir. Que là, présentement, je commence un nouveau programme, puis j'ai l'impression de dire, on dirait que j'ai peur de ne pas pouvoir revivre ça. Mais en même temps, ça fait juste 2 ans. Okay? Fait que c'est sûr qu'on est à 5 ans, mais en même temps, il y a un petit quelque chose qui, si je compare les deux modèles, qui m'accroche un peu là-dedans. Les avantages, bien entendu, quand on travaille en équipe, ça permet de faire plein de choses. Je reviens encore, je ne veux pas me répéter, mais Dany l'a bien mentionné. Quand on est maître de notre temps, de notre horaire, on décide, ça nous permet de sortir, d'aller vers la vraie vie, d'arrêter juste d'être dans des livres. C'est pas ça, c'est pas vrai que les jeunes, c'est ce qui fait triper, puis nous autres aussi qui ont trippé à l'école. C'est de rendre, puis surtout nos jeunes ados, bien, ils veulent être utiles, ils veulent changer le monde. Donc, de partir, d'aller travailler dans la communauté, à tabler populaire, de faire comprendre la réalité, puis des fois, oui, dans notre réseau peut-être plus privé, certains sont plus chanceux, sont peut-être un petit peu plus fortunés, mais d'aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, de rendre service, bien, je pense que ça donne un plus-value à travailler en équipe. Un gros avantage, bien, pour les profs, c'est la flexibilité. On va se parler des vraies choses. Bien, de pouvoir organiser ton horaire en lien avec les rendez-vous de tes 3 enfants, parce qu'il y en a une qui a des broches, le dentiste, le ci, le ça. « Hey, peux-tu me remplacer? Aujourd'hui, j'ai telle affaire, j'ai telle chose. » Puis de ne pas être obligé d'aller jouer dans tes banques de congés, bien, c'est quand même un gros avantage. Puis de plus en plus, bien, nos directions, au début, ils étaient comme « Oh, bien là, j'ai de la misère avec ça. » Mais aujourd'hui, ils sont très, très heureux parce qu'ils n'ont pas besoin de trouver des suppléants qu'on sait que dans toutes les écoles du Québec devient une problématique. Donc ça permet un gros avantage. Je veux juste reprendre mes notes parce qu'il y a des éléments importants que je ne veux pas oublier. Que ce soit au niveau d'organiser des examens, des activités, des réservations de laboratoire, vu qu'on a un horaire flexible, ça nous permet quand même beaucoup, beaucoup de potentiel. L'autre élément, parfait, merci, qui est selon moi, je rejoins Dany. Dany, je pense qu'on aurait fait une bonne équipe autant dans le sport qu'au travail. C'est vraiment le travail d'équipe. L'équipe fait foi de tout. Okay? Que ce soit au niveau des interventions, au niveau de l'appui, de la cohérence. C'est maintenant, on n'est plus seul. On est une équipe. Si ça ne va pas bien avec un jeune, une problématique, ça ne devient plus un conflit personnel. C'est l'équipe, on est mobilisé autour du jeune, puis on va t'aider. Si toi, mon collègue, mon ami, tu as une difficulté familiale, personnelle, physique, bien là, tu t'en vas chez vous, je vais t'aider. Donc, de sentir appuyé, ça fait toute la différence. Dans les conditions gagnantes, selon moi, ça prend une vision. Cette vision-là doit être partagée par les membres de l'équipe, puis au-delà de ça, doit être constituée par l'équipe. Elle doit pas partir de la direction qui dit maintenant, je veux que ce soit comme ça. Donc, la direction a eu le beau cadeau qu'elle nous a fait, c'est de dire, regardez, on vous compose l'équipe de programme sport-études il y a 2 ans, on va vous dégager, ça devient votre programme, allez-y, on vous fait confiance, c'est quoi votre vision? Les autres éléments, dans les conditions gagnantes, d'une part, on doit avoir un support de nos collègues, comme je l'ai mentionné. On doit également avoir un soutien de la direction. On a la chance de l'avoir depuis 2 ans qu'on développe, ça demande beaucoup de temps. Certaines personnes peuvent dire des fois, bien là, je développe, je suis fatigué, etc. Donc, à chaque fois qu'on a un membre d'une équipe qui était cogné, qui a dit, garde, j'ai besoin de temps pour X, Y, Z raison, bien, le remplacement est venu et c'était facile. Également, on doit avoir le soutien de notre syndicat. Okay? Dany, tu parlais tantôt, ça ne peut pas être n'importe qui, de n'importe quelle façon. Donc, il faut avoir une belle écoute de ce qu'on a de besoin concernant nos tâches chez nous qui vivons.
Également, encore une fois, je ne veux pas oublier un élément important. Oui, ça, ça va. Selon moi, ça prend également un leader. Tu as besoin d'avoir un capitaine. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain. Oui, d'avoir une direction qui t'épaule, mais tu as besoin d'avoir un leader, un coordonnateur qui est avec toi dans l'équipe, qui te soutient, qui te laisse la place à tout le monde. On sait que dans une grosse équipe, il y a des gens qui vont prendre beaucoup de place, puis d'autres qui ont d'excellentes idées, mais qui vont être un petit peu plus gênés. Donc, de laisser la place à tout le monde d'être impliqué, d'avoir un modèle, quelqu'un qui est prêt à travailler puis soutenir ses troupes. Et le plus difficile, mais qu'il faut ralentir, c'est de se donner le temps. Et ça, en vous le disant, bien, c'est un peu thérapeutique pour moi, c'est de me rappeler que bien, je ne peux pas comparer mes deux modèles. Je ne peux pas comparer mon bébé qui a 10 ans puis comparer un autre modèle qui en a deux. Okay? Donc, de se donner le temps, de construire une équipe, de se faire confiance. Puis ce que je dis souvent à mes équipes, bien, la confiance, ça se bâtit quand ça ne va pas bien. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans n'importe quoi, bien, quand ça va bien, tout va bien. Quand ça va mal, c'est là que tu as besoin d'être soutenu et surtout que les personnes puissent se sentir surtout écoutées. L'autre élément qui est encore essentiel, puis j'envoie un message à toutes les équipes écoles, c'est la stabilité. Puis présentement, bien, chez nous, bien là, c'est le moment de l'année que d'être dans la plupart de vos écoles, que notre équipe, on est très, très, très inquiet. Parce qu'on se demande si on va avoir la même équipe. Fait que j'ai des enseignants, qui ont peur, qui sont inquiets, qui se sont investis, puis qui ne veulent pas perdre leur place au-delà du fait qu'ils aiment leur travail, c'est qu'ils aiment leur équipe, qu'ils aiment leur milieu, puis qu'ils aiment leurs élèves. Les différences, il y en a plein avec les deux modèles. J'ai appris, puis c'est bizarre, ça vient de se passer maintenant, les deux, je les aime. Les deux modèles, je les aime, puis de choisir entre les deux, j'aurais une certaine difficulté. Comme on donnerait le pouvoir de choisir entre les deux. Ce que je remarque, par contre, c'est que dans le modèle Voie d'avenir, les élèves sont plus souvent là. Ça fait plus référence que Danny disait. Quand tu es toujours avec eux, ben, tu peux prendre beaucoup plus de temps d'aller plus loin. Oui, j'ai moins d'élèves, mais ça, c'est vraiment le temps qui me permet de voir. En sport, ben, le fait qu'ils sont moins là, ça, on va y arriver, mais c'est justement, ça va prendre plus de temps. Je veux juste finir par le fait, attendez pas d'avoir, souvent la crainte qu'on a dans nos vies de fous, sinon en éducation, attendez pas d'avoir l'idée parfaite. Elle n'arrivera pas, c'est sûr. Mais ayez juste le courage de vous lancer, puis je vous le dis, en travaillant en équipe, vous êtes les premiers à vous réaliser encore plus, puis le lien que vous allez tisser avec vos élèves, mais ça va être à tout jamais. Merci. Avec nous. J'imagine que les gens de la salle auront des questions à vous poser, des précisions peut-être sur la manière dont vous avez vécu ces expériences-là. Il y a des micros de chaque côté pour les gens qui sont intéressés. Monsieur? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais ça que vous m'aidiez un petit peu à faire le transfert de ce que vous vivez avec votre clientèle. Moi, je suis coordonnateur d'un programme d'éducation internationale. On a trois groupes par niveau. Moi, avoir un espace créatif, collaboratif, où on est capable de façon déstructurée de dire, bien, on va essayer des choses, on va donner de place pour faire de l'innovation, on va être capable de jouer avec notre horaire pour faire des projets particuliers. Donc, tout ça, là, moi, là, je vous écoute et je me dis, est-ce que ce serait possible dans mon école? J'ai trois groupes. Sur 96 élèves, je dois avoir à peu près 75 filles qui fonctionnent très bien dans un modèle scolaire traditionnel où on est arrangé, on écoute en avant. Mais c'est quand même une vision de l'école. Je me dis, oui, ça fonctionne mieux pour des garçons qui peut-être peuvent, pour lesquels le modèle traditionnel ne fonctionne pas. Est-ce que j'aurais avantage à me lancer dans une aventure comme ça en me disant, oui, ça fonctionne déjà, mais on aspire à différents, on aspire à mieux, on aspire à leur permettre un espace d'innovation, de développement, d'audace. Est-ce que j'aurais avantage à me lancer dans une formule comme ça avec une clientèle de ce type-là? Excellente question. C'est sûr que nous, du côté du collège, la direction a décidé que maintenant, c'est vers là qu'on s'en va pour toute l'école. Donc, déjà cette année, c'est un modèle que je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas enseigné, je connais moins,
mais on a des élèves de secondaire 1 et 2 en PEI qui fonctionnent de cette façon-là, en cette structure-là qui est vraiment décloisonnée. Également, puis ça c'est un petit peu plus que je vais pouvoir répondre à ce que je vis, on a eu beaucoup d'élèves, l'année passée en sport c'est secondaire 1, 2, 3, donc cette année on a rajouté secondaire 4, on a eu une grosse mouvance à l'intérieur de l'école, donc beaucoup d'élèves qui ont parti du pays pour s'en venir en sport en secondaire 4. Et tellement qu'on a eu, plusieurs questionnements, puis partout dans l'école, plusieurs hypothèses. Puis, quand on a sondé les élèves, le mot-clé, c'était il était le plus à la recherche d'un équilibre. Un équilibre de « je ne veux pas juste être performant à l'école, je veux pouvoir toucher à plusieurs choses ». Puis, on le sait que dans les compétences du 21e siècle, justement, tout ce qui est travail collaboratif, créativité, etc., c'est vraiment des éléments qui sont quand même assez clés. Mais, posez votre question, je ne connais pas votre milieu, il y a plusieurs aspects qui sont difficiles pour moi à évaluer. Mais c'est clair que ça répond oui à peu importe les clientèles. Mais c'est sûr qu'un enseignement magistral, il y en a qui vont mieux leur répondre, d'autres dans un travail qui est une pédagogie beaucoup plus active également. C'est ça. Ma réponse est peut-être plate comme ça, mais je ne peux pas vous dire oui ou non, mais ça dépend. C'est très bien, merci. Je voulais juste faire un petit ajout pour le monsieur. Lorsqu'on a travaillé puis fait des études sur la tâche globale, c'est sûr qu'on a commencé avec la tâche globale pure et dure en contexte FR, puis ensuite on a regardé comment elle pouvait être transposée dans d'autres milieux scolaires, notamment à l'école secondaire. Il y a eu plusieurs expériences en ce sens-là, puis je vous dirais juste que les milieux scolaires qui se l'ont approprié, il y a quelques conditions essentielles. Ils ont tous vu des bénéfices. Mais les conditions essentielles, ils ont été nommées par les collègues tantôt, c'est des enseignants qui sont volontaires. Puis, selon le milieu où on s'en va, c'est sûr qu'il y a une forme de réajustement ou d'adaptation de la tâche globale puis de son appropriation. Fait qu'il faut savoir c'est quoi, il faut voir dans quelle mesure chez nous on peut le faire puis de quelle façon, mais il faut être volontaire. Et pour être volontaire, ben là, on parle de, ils l'ont dit tout à l'heure, l'appui de la direction d'école, l'appui de la commission scolaire, mais aussi l'appui des syndicats dans ce projet-là qui sort un peu de la norme. Alors, je tenais quand même à vous dire ça. Si vous n'avez pas d'enseignant volontaire, mais c'est imposé, les travaux qu'on a fait, oubliez ça, ça ne marche pas. Merci, on a le temps pour une dernière question. Peut-être un peu de clarification par rapport à l'organisation, là, notamment quand on est avec des élèves du régulier. Là, on n'est plus auprès d'une clientèle qui va avoir un projet d'apprentissage individualisé. Là, je voyais le multi qui était dans la grille horaire, mais le reste était plein de trous. Fait que si je suis un élève du régulier, de première secondaire, j'ai la responsabilité avec mon coach d'aller choisir avec quel enseignant spécialiste je vais vivre quelle discipline, puis de faire avancer mon projet scolaire, on va le dire comme ça. Et là encore, on est toujours en apprentissage plus individualisé, parce que je voyais les ordinateurs, ou est-ce qu'il y a de l'enseignement de groupe et des dénombrements flottants, des regroupements de besoins qui se forment, là, cet aspect-là, là, pour faire avancer la première secondaire, là, j'aimerais en entendre un peu plus. Parfait. Certainement, puis je vous remercie de votre question, parce que c'est sûr qu'en 20 minutes, c'est ce que je me disais hier. OK, bon, comment je peux le résumer? Oui, premièrement, il y a un équilibre. Avec le coach scolaire, c'est vraiment de guider, ce qu'on rassure également nos parents quand on a la rencontre en début d'année. Mais là, mon jeune, il n'est jamais assez autonome pour faire son horaire. Bien, on est là, il ne fait pas tout seul non plus. Donc, oui, il y a un équilibre dans le nombre de périodes, qui est quand même assez simple. On suit la grille matière. Bon, mais tu as tant de périodes à mettre dans ta semaine. Il y a un plan de travail qui est construit en conséquence. C'est pas, je vais faire la nuance entre l'enseignement individualisé puis personnalisé. On est plus dans un enseignement qui est personnalisé ici, mais également beaucoup de modelage qui est fait par les enseignants. Fait qu'il y a des périodes que des fois, l'enseignant a des tâches à faire, mais également beaucoup de modelage qui est fait par les enseignants. Fait qu'il y a des périodes que des fois, l'enseignant va mentionner, va dire, bon, mais là, je veux avoir vraiment ce groupe-là en particulier ou mes secondaires 1, je veux faire un retour, j'ai fait tel type de tâche d'évaluation formative ou peu importe, je me rends compte qu'il y a telle difficulté, je veux faire du modelage. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus d'enseignement qui est fait dans le programme de sport ou même dans le programme Voie d'avenir. Il y a beaucoup de modelage qui est fait. De mon côté, exemple, je travaille beaucoup en atelier rotatif, donc moins en grand groupe,
Donc, dans leur plan de travail, ils ont un 20 minutes par semaine que là, je veux travailler telle notion avec eux, je veux les voir en action, j'ai des sous-groupes, les autres travaillent. Donc, sinon, c'est des tâches collaboratives qui sont faites. Puis, dans les trois sphères là, qu'on voit dans l'enseignement personnalisé, bien, du modelage, travail individuel et travail collaboratif. Donc, on vient vraiment jouer pour amener également une diversité dans le modèle pédagogique. Sinon, on le sait, si c'est trop routinier, bien là, la motivation n'est plus là. Puis, c'est pas non plus, faut pas tomber dans excusez le terme, l'anglicisme, dans le pattern de, bien, tu as des tâches à faire, tu le fais, puis ils ne parlent pas, puis c'est pas silence complet, au contraire. Là, on vient vraiment jouer là, sur plusieurs tableaux. Oui, alors, ne pas oublier les résultats de la recherche, il y a des documents sont en avant. Alors, écoutez, ça termine la conférence de cet après-midi. Merci beaucoup à nos conférenciers. Merci à vous également, et je vous invite à revenir dans une quinzaine de minutes, il va y avoir une allocution, le mot de la fin de la journée. Merci beaucoup.